Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la correction du travail à la maison numéro 8 et on commence tout de suite avec les questions de réactivation. Alors la première question vous demande, sans poser, de calculer le résultat d'une division. Alors je vais faire 0,8403 et quand on multiplie par 10, 100 000, 10 000, ou quand on divise par 10, 100 000, 10 000, ou quand on multiplie par 0,1 ou 0,01, etc. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je ne vais pas avoir de calcul à proprement parler à faire. Il existe une technique qui est rapide pour pouvoir tout de suite donner le résultat. Alors déjà, la première chose qu'on se pose, c'est quand on divise par 100. Alors diviser, c'est quoi? C'est un partage. Si je partage par 100, c'est-à-dire si je partage en 100 personnes, est-ce que mon résultat va être plus petit ou plus grand que le nombre de départ 0,8403? Eh bien, évidemment, mon résultat, il sera plus petit. Donc, je veux un résultat qui est plus petit que 0,8403. D'accord, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que quand je vais diviser par 10 100 000 ou multiplier par 10 100 000, en fait, c'est que mon nombre qui est dans mon tableau de numération, en fait, je vais le décaler. Le décaler d'un côté ou le décaler d'un autre. Si je le déplace dans un certain sens, ça va le rendre plus grand. Si je le déplace dans un autre sens, je vais le rendre plus petit. Ici, on va partager, on va diviser en 100. Je veux donc un résultat qui est plus petit. Eh bien, pour pouvoir effectuer ce calcul, je vais déplacer mon nombre de combien de colonnes dans mon tableau de numération? Et donc, du coup, je vais déplacer la virgule de combien de rangs? Eh bien, je vais la déplacer de un rang, deux rangs. Donc, ma virgule, je vais la déplacer de deux rangs. Et là, il y a deux possibilités. Soit je la déplace de deux rangs vers la droite. Auquel cas, le résultat qu'on obtient, c'est 0, virgule. Bah non, la virgule n'est plus là. 0,84,03. Soit je vais la déplacer de deux rangs. Alors un premier rang vers la gauche, ça me donne 0,8403, mais il faut que je la déplace encore d'un rang, donc encore un rang. Et en fait, ici, j'ai un 0 inutile. Donc ici, et ma virgule est à fond. Sauf que 0,008403, ça n'existe pas. C'est 0,008403. Bah, la question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Lequel de ces deux résultats est bon? Eh bien, 0,84,03, c'est la même chose que 84,03. Mon résultat ici, si c'était celui-là, bah, il est plus grand que le nombre de départ. Or, est-ce qu'on voulait un nombre plus grand que le nombre de départ? Non. Donc en fait, la virgule, je ne vais pas la déplacer vers la droite, je vais la déplacer vers la gauche. Et mon résultat, je vais l'écrire proprement pour que ce soit clair au niveau de ma fiche réponse. Eh bien, le résultat, c'est quoi? 0,008403. Ceci est le résultat de notre division. Si on avait posé, on aurait trouvé la même réponse. Question 2. Donner 4 multiples de 15. Alors déjà, je vous rappelle qu'un multiple, c'est quoi? Un multiple, c'est un nombre qu'on trouve dans la table de 15. On va dans la table de 15. 15 fois 1 donne 15. 15 fois 2 donne 30. 15 fois 3 donne 45, etc., etc. Bon, on voulait 4 multiples. Bon, je vais dire 15, 30, 45, 60, etc. Je veux aussi prendre 15 000. Bah oui, après tout, 15 fois 1000 donne bien 15 000. Ok. Il y en a une infinité. Tout le monde aura des multiples différents. Ici, j'en ai donné qu'un certain nombre. Question 3. Alors, celle-là, elle était peut-être un petit peu compliquée. Hein. Je l'ai mis aux élèves de 4e et 3e. Peut-être qu'en 6e, j'aurais dû donner une question un petit peu plus simple. Alors, on va l'essayer quand même ensemble et je vais vous expliquer exactement les différentes étapes de mon raisonnement. Alors, on a 5 personnes. On a Alain, Béatrice, Claire, Daniel. Et enfin, la personne qui nous intéresse, Elodie. Ces 5 personnes ont chacune une bougie qui sont représentées ici. On a donc des bougies petites, on a des bougies grandes, et on a des bougies blanches, des bougies grises et une bougie noire. On a différentes informations dans ce petit paragraphe, et en fait, de ces informations, bah, un peu de la même manière que le mastermind qu'on a fait les fois précédentes, eh bien en fait, il va falloir essayer de trouver la logique qui est derrière et associer à chacun des prénoms, une bougie. Alors la première chose qu'on sait, c'est que, et je vais le faire au crayon de papier parce que ça va être, je vais travailler là-dessus, la bougie d'Alain et de Béatrice ont la même taille. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Alain et Béatrice ont toutes les deux une grande bougie, soit Alain et Béatrice ont tous les deux une petite bougie. Alors, comment faire pour savoir laquelle des deux propositions est possible? Mais en fait, pour l'instant, on ne peut pas savoir. On n'a pas encore assez d'informations. Peut-être que les phrases qui sont après vont nous aider à le savoir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un choix. On va faire un choix dès le départ en disant, bah, moi, je pense que Alain et Béatrice ont ces bougies.
Alors, si notre choix est correct, et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'à la fin, on trouvera quelque chose qui est bon. Et puis, bah, du coup, en vérifiant, bah, tout se passera super bien et donc on a réussi. Et si notre choix est incorrect, bah, à un moment ou à un autre, je vais tomber sur quelque chose qui est pas possible, quelque chose qui est faux par rapport aux phrases qui sont données. Et donc, par conséquent, bah, qu'est-ce que ça signifie? Bah, tout simplement que le choix que j'avais fait au départ, il était faux. Donc, je n'aurais qu'à modifier le choix que j'avais fait au départ. Et à partir de ce moment-là, bah, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je peux changer ma conception et petit à petit avancer. Alors, première chose, Alain et Béatrice ont la même taille. Allez, supposons que Alain et Béatrice ont des petites bougies. Alors, on va dire que Alain est ici. On va prendre Alain pour celle-là. Alain, on aurait pu aussi lui mettre la 3. Moi, j'ai choisi la 5. Ça change pas grand-chose. Enfin, d'ailleurs, ça change rien. Et puis, Béatrice, on ne sait pas. Béatrice, est-ce qu'elle va avoir la 3 ou la 1? Ça, on ne sait pas pour l'instant. C'est juste qu'elles ont la même taille. Celles de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Alors, si Béatrice a la 1, est-ce que Claire peut avoir la même couleur que la 1? Non, donc Béatrice ne peut pas avoir la 1, Béatrice va avoir la 3. Et donc, du coup, Claire a la même couleur que Béatrice, donc Claire, c'est celle-ci. Ensuite, celles de Claire et de Daniel ont la même taille. Bah, si Claire a la 4 et que Daniel a la même taille, Daniel a la 2. Enfin, celles de Daniel et Alain n'ont pas la même couleur. Ah, bah si. Alain. Daniel et Alain n'ont pas la même couleur. Bah là, il y a un problème par rapport à ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire tout simplement que ce qu'on a fait au départ, notre choix au départ, Bah, il était incorrect. Donc notre choix de départ, il va falloir le modifier. en fait, il n'y a rien à modifier, c'est juste que j'ai pas fait attention. Celles de Claire et de Daniel n'ont pas la même taille. Donc Daniel ne peut pas avoir la même taille que Claire. Daniel va donc avoir la bougie qui est ici. Celle-là, bah, je vais l'effacer parce que j'ai pas fait attention en lisant ma phrase. Donc, pour l'instant, tout convient parfaitement. On a bien la bougie d'Alain et de Béatrice qui ont la même taille. On a bien Béatrice et Claire qui ont la même couleur. On a bien Claire et Daniel qui n'ont pas la même taille. Et Daniel et Alain n'ont pas la même couleur. Bah, pour l'instant, tout convient. Quelle est la bougie d'Elodie? Bah, en fait, c'est la dernière. Est-ce qu'on a trouvé notre réponse? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai dit une bêtise juste avant. Notre premier choix était parfaitement correct. Donc ici, notre bonne réponse, c'est quoi? C'est que Elodie a la bougie 2. Alors sachez juste une petite chose, c'est que certains ne vont pas trouver que Elodie a la bougie 2, mais certains vont trouver que Elodie a la bougie 4. En fait, il y a deux bonnes réponses possibles dans cet exercice-là. Pourquoi? Parce que là, on avait mis Alain sur la 5 blanche, mais en fait, si on avait mis Alain sur la 3 grise, eh ben, en fait, on aurait eu exactement le même raisonnement. La seule différence aurait été la réponse. Eh bien, dans des exercices de logique comme ça, parfois, je dis bien parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Question 4. On doit compléter. Donc, la fraction de 12, 13 cinquièmes. On va venir soustraire la fraction de 2 cinquièmes. Alors, j'ai 13 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Vous l'entendez à ma voix. C'est la même chose que dire j'ai 13 patates moins 2 patates. Si j'ai 13 patates moins 2 patates au total, j'ai 11 patates. 11 patates, bah, ça s'écrit pas 11 patates, ça s'écrit 11 sur 5, on peut lire 11 cinquièmes. Voilà notre réponse. Question 4. On dispose de 1,683 litres de goladine que l'on souhaite équitablement répartir en 5 personnes. Combien de millilitres ne pourra-t-on pas répartir équitablement? Alors, si on veut répartir, donc là c'est un petit problème, pour un problème qu'on aurait pu rédiger. Dans ce cas-là, on aurait eu 3 colonnes. On aurait une première colonne brouillon. Une deuxième colonne calcul posé, une troisième colonne rédaction. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme calcul ici? J'ai des litres de grenadine et je vais les répartir en personnes. Répartir en personnes. Et puis si je veux un reste, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Une division. Donc je vais faire 1,5683 divisé par 5. Alors, d'abord, dans 1, combien de fois 5? 0 fois. Je vais prendre maintenant, donc j'ai ma virgule, je viens placer ma virgule dans 15. Je peux le mettre 3 fois, 3 fois 5, 15, je viens soustraire 15, il me reste 0. Je descends mon 6. Dans 6, combien de fois 5? Une fois, 1 fois 5, 5, je viens soustraire 5, il me reste 1. Je descends mon 8. Dans 18, combien de fois 5? 3 fois, 3 fois 5, 15, je viens soustraire 15, il me reste 3. Je descends mon 3. Dans 33, combien de fois 5? Je peux mettre 6 fois, 6 fois 5, 30, il me reste 3. Ok.
Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au départ, j'ai 1,5683 litres que j'ai répartis en 5 personnes. Eh bien, chaque personne va avoir notre quotient, 0,3136 litres, et qu'ici, il reste 3. Mais il reste 3 quoi? Il reste 3 litres? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque personne va avoir, donc une personne, va avoir 0,3136 litres, ce qui est égal à 31,36 centilitres, ce qui est égal aussi, si on l'écrit autrement, à 313,6 millilitres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que j'écris ici c'est vrai? Parce que vous connaissez votre tableau de conversion, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Ici, j'aurai les kilolitres, les hectalitres, les décalitres. Eh bien, si j'ai 0, donc le virgule c'est avec mon unité, donc ici, 0,313. Et puis en fait, là il y a encore d'autres colonnes, mais on ne les nomme pas. Pareil, ici il y a d'autres colonnes, mais on ne les appelle pas. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux lire en millilitres, comme c'est écrit dans mon énoncé, je vais venir placer ma virgule ici. Donc ça me fait 0,313,6, c'est-à-dire 313,6 millilitres. Donc chaque personne va avoir 313,6 millilitres. La question c'est qu'est-ce qu'il reste? Eh bien du coup, si chaque personne a ça, ça veut dire que mes 5 personnes au total vont avoir combien? Bah, elles vont avoir 0,3136 litres bien fois 5. Si maintenant je fais ce calcul-là, ça me donne combien? Eh bien ça va me donner 1,5680 litres. Alors moi je voulais savoir combien est-ce que de millilitres on ne pouvait pas répartir équitablement. Eh bien du coup, si 5 personnes ont 1,5680 litres, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que... Ah pardon, ça veut dire que le reste par rapport à ce que j'avais au départ, c'est quoi? Bah c'est ça moins ça. Donc c'est 1,5683 litres moins 1,5680. Bah oui, si chaque personne a 0,3136 litres, ça veut dire que 5 personnes ont exactement tout ça. Et donc bah, ce qu'il reste, c'est quoi? Ce qui reste de côté, c'est 0,0003 litres. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait exprès de faire un petit peu bah, ces deux étapes-là? Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, ce qui se passe, si on regarde bien là, c'est qu'on voit un reste de 0,3. Mais c'est 0,3 et on ne sait pas quelle unité c'est. Est-ce que c'est 0,3 litres? Donc ça veut dire qu'il reste 3 litres. Mais est-ce que c'est possible qu'il reste 3 litres alors qu'au départ, j'avais une quantité qui était plus petite que 3 litres? Non. Donc en fait, on ne sait pas quelle unité c'est ici. Et donc parce que là, on est en train de faire uniquement une division décimale, mais avec un reste, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Eh bien, pour savoir quelle unité c'est, en fait, il faut essayer de regarder à quel moment, bah, à quelle unité ça correspond. Alors, notre unité ici, c'est 0,0003, c'est notre résultat. Et notre unité, c'est des litres. Donc, maintenant, si je viens le placer, 0,003. Maintenant, si je viens le placer, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'en fait, le reste, ça fait certes 0,0003 litres, mais que ça correspond aussi et surtout à 0,3 millilitres. Donc, au total, combien de millilitres ne pourra-t-on pas répartir équitablement? Eh bien, la réponse, c'est 0,3 millilitres. Bon, c'est une question qui est un peu compliquée. En fait, la difficulté, ce n'est pas dans la division. La difficulté, c'est dans l'unité qui est ici. Et il faut bien faire attention là-dessus. Là, il y a deux choses qui sont travaillées. La première chose qui est travaillée, c'est la division décimale. La deuxième chose qui est travaillée, c'est quoi? C'est la conversion. Question 6. Combien y a-t-il au total de petits cubes dans cette figure en 3 dimensions? Alors là, on travaille quelque chose qu'on a tous dans notre cerveau qui s'appelle la capacité de représentation mentale. Alors, on va essayer de les compter. Alors, déjà, on sait qu'on voit 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, juste derrière cette colonne de 3. Donc là, ici, pour l'instant, j'en ai 4. Juste derrière cette colonne de 3, j'en vois un bout. Mais lui, il n'est pas tout seul. Il en a forcément un en dessous. Donc j'en ai deux en plus. Là, sur cette colonne-là. Ici, sur cette colonne-là, j'en vois un tout en haut, mais il y en a forcément deux en dessous. Donc là, je vais en avoir trois dans cette colonne qui est ici. Ensuite,
Là, on l'a déjà compté. Là, on voit cela, mais du coup, il en a en dessous, il y en a deux en plus. Même chose, là, j'en vois un, donc il en a en dessous, j'en ai deux en plus. Celui-là, je le vois tout seul. Et là, j'en ai quoi? J'en ai trois. Au total, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Au total, j'ai quoi? Eh bien, dans ma figure géométrique, dans mon solide, en trois dimensions, j'ai 17 petits cubes. En fait, si mes cubes, si chacun des petits cubes, genre celui-là, avait un volume de 1 unité, eh bien, on pourrait dire que le volume total de ma figure, c'est quoi? Bah, c'est 17 unités cubes. C'est 17 centimètres cubes, par exemple. On a fini pour nos questions de réactivation. On passe maintenant à la partie sur les angles. Et je m'excuse par avance, mais je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, mais comme je n'ai pas de rapporteur demi-circulaire, c'est-à-dire qu'avec la moitié, c'est-à-dire comme ce que vous, vous utilisez, eh bien, je vais devoir utiliser mon rapporteur circulaire, qui est certes plus simple et plus pratique à utiliser, mais finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est pour ça que je l'ai utilisé la dernière fois avec vous. Alors, dans ces exercices-là, je vous rappelle que vous avez regardé la vidéo d'introduction sur les angles, et puis maintenant, on va commencer avec le premier exercice. On doit mesurer l'angle ABC. ABC. Je vous rappelle juste une petite chose, que le point qui est au milieu, c'est correspond à quoi? Au sommet, et qu'un angle est défini par deux demi-droites. Ça veut dire que la demi-droite qui est ici, je peux la prolonger autant que je veux. Ça ne changera pas l'ouverture, l'écartement. Je vous rappelle que l'ouverture, l'écartement, c'est quoi? C'est un angle. Alors, comment faire pour mesurer la mesure de l'angle ABC? Eh bien, avec mon rapporteur, qu'il soit circulaire ou demi-circulaire, je vais venir prendre le point qui est ici, au milieu, et je vais venir le placer sur mon sommet. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais déplacer mon rapporteur tout en laissant le point au niveau du sommet qui ne bouge pas, jusqu'à ce que j'arrive sur une des demi-droites, par exemple celle-là. Mon rapporteur est bien mis par rapport au trait que j'ai ici et par rapport à mon sommet. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lire. Je vous rappelle que quand on lit, on commence à lire à 0. Ici, est-ce que je vois écrit 0? Non, donc je ne commence pas à lire comme ça. Je vais commencer à lire à 0. Le 0 est ici. Donc là, je lis sur la graduation qui est à l'intérieur. Je vous rappelle que vous avez une graduation aussi qui est à l'extérieur. Il faut bien faire attention. Et donc, je commence à lire à 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ah, petit problème. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, mon trait n'est pas assez long. Comment faire pour pouvoir avoir une mesure exacte sans se tromper? Eh bien, je vais tout simplement prendre un crayon de papier. J'ai pris un stylo, tant pis. Je vais prolonger un peu ma demi-droite parce que c'est une demi-droite, ça n'a pas de longueur. Je viens replacer mon rapporteur. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à mesurer 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50, ici on est à 59. Donc la mesure de mon angle ABC est égale à 59 degrés. Le degré, c'est un petit rond qu'il y a au-dessus. Ne me mettez pas Celsius, ce ne sont pas des températures. Maintenant pour mon deuxième angle, l'angle EFG ou bien GFE. Eh bien je viens prendre mon rapporteur, je mets le centre dessus. Ensuite, le centre, je le laisse. Je viens placer ma petite barre. Vous en avez une là ou une là, c'est comme vous voulez. De ce côté-là, puis je vous rappelle que vous commencez à lire à 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et là, pareil, même problème, c'est que ça va ici, mais c'est pas assez grand. Donc, de nouveau, je prends une règle, je vais prolonger ma demi-droite, parce qu'une demi-droite n'a pas de longueur, je viens replacer mon rapporteur convenablement, alors à force, votre rapporteur, vous saurez exactement comment le placer. Je vous rappelle qu'on commence à mesurer à 0, 0, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120, 120, 121, 122, 123, 123, 124, 125. On est ici à 125 degrés. Alors, sachez juste une chose. Certains ne vont pas trouver 59 ici, mais ils vont trouver 60. Certains ne vont pas trouver 60, mais ils vont trouver 58. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on mesure un angle, ou même quand on mesure une longueur, on l'a déjà vu ensemble, mais des fois, il y a des petits décalages. Ça peut être dû soit à l'outil qu'on utilise qui n'est pas très précis, soit petites erreurs qu'on fait, parce que quand on place un outil de géométrie, il n'est jamais parfaitement placé. Ce que je veux dire par là, c'est simple. C'est que si vous avez obtenu 58, 59, 60, peut-être 61, voire même 57, bien ce que vous avez fait, c'est correct. Vous avez bien placé votre rapporteur. Faites juste attention à une chose, à le placer de manière parfaitement rigoureuse, pour pas qu'il y ait trop de différences, parce que normalement, des différences, il n'y en a pas. Notre premier exercice, c'est terminé. Je vous rappelle juste une petite dernière chose. Notre angle ici est un angle aigu, donc plus petit que 90 degrés. Donc ma mesure est bonne. Si vous aviez trouvé une mesure de 130, de 121 degrés, bah vous vous êtes trompé. Vous avez fait
l'autre graduation, il faut apprendre à relire avec le rapporteur. Ici, si mon angle est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, c'est un angle obtus. Donc c'est normal que sa mesure soit plus grande que 90 degrés. Même chose, si vous avez trouvé comme mesure 55 degrés, c'est que vous avez lu sur la mauvaise graduation. Exercice 2. Alors, estimer à l'œil nu, on va le faire ensemble. Et ensuite, pour les mesures d'angle, eh bien, pour les mesures d'angle, je vais le faire ensemble. Et ensuite, je le ferai. Et puis ensuite, je ferai un petit aparté. Alors, pour l'angle TRL, l'angle qui est ici, cet angle est plus petit qu'un angle droit qui serait comme ça. Donc, c'est un angle aigu. Alors, on est à un peu plus que la moitié. La moitié d'un angle droit, ce serait ça. La moitié d'un angle droit, c'est la moitié de 90, c'est 45. Bon, là, on doit être à peu près à 60 degrés. C'est une estimation à l'œil nu. Certains vont me dire 70, certains vont me dire 80, certains vont me dire 50. Ces différentes mesures conviennent. Par contre, si vous me donnez 45, bah non, 45, ce n'est pas possible puisque 45, c'est plus petit que la moitié d'un angle droit. Le deuxième, notre angle droit serait comme ça. Bon, bah, on est à peu près à la même mesure, on est à peu près à 60. Le troisième, on est à plus qu'un angle droit. On va dire on est à peu près à 120 degrés. Le quatrième, bon bah ici on aura un angle plat, ici on aurait un angle droit, on est à peu près entre les deux. Alors un angle droit c'est 90, la moitié d'un angle droit c'est quoi? C'est 45. Bon bah moi je veux dire qu'on est à peu près à 135. Mais ça c'est parce que j'ai raisonné, on aurait pu tout simplement dire qu'on est à peu près à 130 ou 140 puisque c'est une estimation. Une estimation ce n'est pas là forcément la valeur exacte. L'angle DBC, où est-il? Ici. Cet angle-là, bah c'est sûr que c'est un angle aigu, il est plus petit qu'un angle droit. Moi, je pense pas qu'il doit faire beaucoup, il doit faire une dizaine de degrés. L'angle VUW, il est ici, bah ça ressemble à un angle droit, donc 90 degrés. Et l'angle JIK, c'est un angle plus grand qu'un angle droit, mais plus petit qu'un angle plat. Sa mesure, elle doit être à peu près, elle doit être assez proche de 180 degrés, je vais dire 160 degrés. Parce que 180 degrés, c'est la mesure d'un angle plat. Maintenant qu'on a fait ça, bah, je vais mesurer les différents avec le rapporteur. On se retrouve dans deux petites secondes. Alors, petite remarque. Je suis ici avec mon deuxième angle. Si je veux le placer comme ce qu'on a tendance à faire d'habitude, bah, y a un petit problème parce que mes deux demi-droites sont sur la gauche. Alors, deux possibilités. Soit je vais venir tourner mon rapporteur comme ça. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir lire 0, etc. jusqu'à ce que j'obtienne ma mesure. Soit sinon, mon rapporteur, je peux aussi le prendre comme ça. Hop, je lis. Alors c'est certes écrit à l'envers, mais je commence toujours à 0 degré, 0, et puis je lis. C'est deux possibilités. Alors on se retrouve après avoir mesuré. Bon là, il n'y a pas spécialement de difficulté. Les mesures que j'obtiens sont sur la troisième ligne de notre tableau. Bon, vous voyez que les mesures, elles sont relativement similaires à ce que j'ai mis au-dessus. Ce qui est normal, puisque bah, mon estimation à l'œil nu, c'était l'estimation de celle d'un prof de maths, qui connaît la mesure de ses angles particuliers, c'est-à-dire la mesure d'un angle droit, la mesure d'un angle plat, la mesure d'un angle nul, etc. Et donc c'est normal qu'on obtienne des valeurs qui sont très très proches. Quelque chose qui est sûr, c'est que si je prends au pif, si on est en train de travailler avec cet angle-là est un angle aigu, eh bien, si vous n'obtenez pas, après avoir mesuré la mesure d'un angle aigu, c'est-à-dire que vous obtenez une mesure d'angle qui est plus grande que 90 degrés, ça veut dire que vous avez lu sur la mauvaise graduation de votre rapporteur. Donc, il faut faire très attention à ça. Notre exercice 2, il est terminé. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3, toujours sur la lecture d'angle. Pour cet exercice numéro 3, on va procéder de la même manière que les fois précédentes. Sauf que pour certains angles, et ben dans ce cas-là, je vais directement expliquer. Alors, on va commencer juste avec le premier qu'on va faire ensemble. On a cette fois-ci des figures et non pas juste des angles. Est-ce que ça pose problème? Ben, en fait, pas du tout. Il va juste falloir repérer à chaque endroit où est mon angle. L'angle BAC, ça veut dire que le point A est au milieu. Donc, ça veut dire que c'est l'angle qui est en A, c'est l'angle qui est ici. Eh bien, on veut mesurer l'angle qui est ici. Eh bien, c'est parti. Je pose mon rapporteur, je mets là-dessus. C'est pas assez grand, c'est pas grave. Je prends ma règle. Alors, soit je trace mon trait, soit sinon, et ça, c'est une stratégie qui est pas si mal. Une fois que c'est bien posé et tout, hop, je viens prendre ma règle. Ma règle, je viens la poser directement sur mon trait. Il ne me reste plus qu'à lire. Alors, attention, je ne lis pas bêtement. Je commence à lire à 0. Donc, je suis ici 0. 10, 20, 30, 60, 90, 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124. La mesure de mon premier angle est de 124 degrés.
Je peux le faire ensuite pour le deuxième angle. Le deuxième angle, c'est l'angle ACB. L'angle ACB, c'est l'angle qui est en C ici. Et bien maintenant, c'est parti. Pour mesurer cet angle, qu'est-ce que je vais faire? Bah, de nouveau, je vais placer et on continue. Bon, là, sur les angles qui vont suivre, je vais appliquer exactement la même stratégie, le même procédé. Je place ensuite ma règle et je commence à lire à 0. Je ne me fais pas avoir. 0, 10, 20, 30, 30, 31, 32, 33, 34. Le deuxième angle, on est à 34, 2. Je vais continuer pour tous les angles simples. Et là où il y a des angles un peu particuliers, j'y reviens après, avec vous. Alors, comme vous le voyez à droite, j'ai mesuré tous les angles simples. Qu'est-ce que j'appelle un angle simple? Et bien en fait, c'est un angle. Donc, tu vois tout de suite où il est et où je peux très facilement placer mon rapporteur. Maintenant, il y a des angles un petit peu particuliers. Je vais commencer d'abord par la partie qui est ici et je vais remonter petit à petit. L'angle BAD, c'est l'angle BAD. A est au milieu, ça veut dire que c'est l'angle qui est entre la demi-droite AB et la demi-droite AD. C'est tout l'angle qui est ici. Bien, une fois qu'on a bien fait attention à ça, c'est parti, je place sur mon sommet, je fais bien attention, je vais prendre ma règle, c'est un angle qui est obtus, tout cet angle-là, donc il est plus grand que 90 degrés, je commence à lire à 0, je vais jusqu'à 119 ou 120 degrés. Ok. L'angle ABC. L'angle ABC, même chose, ABC, c'est l'angle qui est ici. L'angle ABC correspond à combien de degrés? Eh bien, je viens placer, je mets ma règle, je commence à lire à 0, je suis à 100 degrés. Pardon, entre 90 et 100 degrés, je suis à 95 degrés. L'angle BAC. Alors, l'angle BAC, c'est un angle particulier. C'est l'angle entre BA et AC. Sauf que, est-ce que AC est tracé? Non. Donc, en fait, la première chose à faire, eh bien, ça va être quoi? Ça va être de prendre un crayon de papier et de tracer la demi-droite AC. Ou bien le segment AC, ça ne nous pose pas de problème. Maintenant, l'angle que je veux mesurer, c'est-à-dire l'angle BAC, oups, j'ai fait mon stylo. L'angle BAC, son sommet, il est en A. BAC, c'est l'angle qui est ici en rouge. Donc, je vais mesurer l'angle qui est en rouge. Je place mon rapporteur. Une fois que mon rapporteur est placé, je vais venir prendre ma règle. Voilà. Maintenant, je vais commencer à lire à 0, 10, 20, 30, 39. La mesure de cet angle est donc de 39 degrés. On continue, en fait, c'est la même difficulté. Si on veut lire la mesure de l'angle ABD, ABD, il y a une partie qui n'est pas tracée. Donc, je vais prendre mon crayon de papier et je vais tracer la demi-droite BD. L'angle ABD, c'est le point B, le sommet, donc c'est l'angle qui est ici. Je vais venir placer mon rapporteur convenablement. Vous voyez que c'est tout le temps la même histoire, je viens maintenant placer ma règle. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lire. Je commence à lire à 0. Je vais jusqu'à 71 degrés. L'angle DBC. DBC, c'est l'angle qui est désormais ici, en rouge. Bon, bah, même chose. Là, maintenant, je n'ai plus qu'à lire bêtement la mesure de l'angle DBC. Une fois que je place mon rapporteur, puis ma règle, eh bien, 0, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. On est à 37, 38 degrés. La mesure de l'angle ADB. ADB, eh bien, c'est l'angle qui est ici. Je vais le mettre avec deux petits traits. Cet angle-là, bah, maintenant, je n'ai plus qu'à mesurer. Alors, vous voyez que je peux placer comme ça mon rapporteur. Mais mon rapporteur, j'aurais pu aussi décider de le placer comme ça. Ça ne change rien. Donc, 0, je commence à lire à 0. 0, 10, 20, 30, ici on est 30, 31, 32 degrés, j'ai pas besoin de ma règle, ça peut se lire facilement. Et l'angle D, non pardon, BDC, c'est désormais l'angle qui est ici au crayon de papier. Et bien cet angle-là, BDC, c'est un angle qui va mesurer. Hop, je place mon rapporteur, je place ma règle parce qu'ici ça va être compliqué sinon à lire. Mon rapporteur est bien placé, bingo. Je place ma règle sur ma deuxième demi-droite. Je commence à lire à 0, 40, 45, 46, 47, 48. On est à 48 ou 49 degrés. Enfin, l'angle DAB. L'angle DAB, c'est l'angle qui est tout ici. Faire trois codages, et bien cet angle là mesure combien? Je viens placer mon rapporteur sur le sommet A, ensuite je viens passer ce côté là, super. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma droite, ma deuxième demi-droite
plutôt marin que je vais venir placer convenablement pour pouvoir lire. Cet angle, c'est un angle qui était à l'œil nu plus petit qu'un angle droit, donc sa mesure est plus petite que 90 degrés. Si on ne trouve pas ça, ça veut dire qu'on s'est trompé. 0, 10, 20, 30, 60, 70, 75, 76, 77. La mesure de cet angle-là est donc de 77 degrés. Bon, bah, vous voyez que mesurer un angle, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Néanmoins, il faut être extrêmement rigoureux sur la manière avec laquelle on le fait. Pourquoi ? Bah parce que si on se trompe de côté pour pouvoir lire, eh bien dans ce cas-là, notre mesure est totalement fichue. Il faut toujours partir de zéro pour lire un angle. Je vous souhaite une bonne journée.